Que votre quotidien ressemble à ça et que vous supportez de moins en moins votre environnement? Alors, pour le même budget, que diriez-vous de troquer un 40 mètres carrés sans balcon en ville pour un loft à 5 minutes de l'océan? Ou bien un pavillon mitoyen en banlieue pour une demeure sans vis-à-vis en pleine campagne? Plus que jamais, vous êtes nombreux à rêver de changer d'air et de mode de vie dans une autre région. Seulement voilà, comment faire pour trouver sa nouvelle maison quand on vit à l'autre bout de la France? Eh bien c'est simple, on fait appel à Stéphane Plaza. Qu'est-ce qui vous motive à changer de vie? On n'a plus envie de faire les transports en commun le matin. On en a marre aussi de la grisaille. Les bouchons prennent 1h30 pour faire 17 km. Tu peux plus les stresser. Ah bon? Faut que j'y parte. L'heure a vraiment sonné de tout quitter pour vivre mieux ailleurs. On aimerait bien que notre enfant grandisse en maison, pas cloisonné dans l'appartement. Moi, ce que je veux, c'est l'océan. Tu veux te mettre en maillot de bain? Voilà. Moi, j'ai envie d'avoir froid. Sur place, Stéphane va missionner 2 agents experts de la région. Leur mission, dénicher chacun un bien correspondant aux attentes de ses futurs acquéreurs. Waouh! Ah oui, c'est incroyable. Il y a un cachet de dingue. Waouh, la belle piscine. Et cerise sur le gâteau, chaque famille va pouvoir visiter un troisième bien, un bien mystère. C'est un coup de poker. Il n'y a pas toujours des desiderata. Eh ouais. Mais il y a pour moi quelque chose en plus. Vous avez envie de le voir? Ah, carrément. Pour le même budget, ils vont ouvrir la porte de nouveau chez eux, qu'ils n'auraient jamais osé imaginer. C'est plus grand que ce qu'on a chez nous aujourd'hui. 9 fois plus grand, donc ça va. Cette pièce de vie, c'est la surface de votre appartement. Vous me parliez du vis-à-vis direct. Ouais. Là, on a une vue totalement dégagée. Ça nous change vraiment de ville urbaine. Pour accompagner ce changement radical, nos agents offriront à la famille un avant-goût de ce que pourrait devenir son nouveau quotidien. On va aller faire une petite dégustation. On adore le fromage, donc tu nous verras souvent ici. Ah, en boîte. Allez, je suis basque. Ça fait du bien de ne pas entendre les voitures, les scooters. C'est sûr qu'il y a une différence entre être à 10 minutes du périph et être à 10 minutes de la plage. Alors, prêt à partager avec elle cette incroyable journée de visite qui va tout changer? C'est peut-être le début de notre rêve. Bienvenue dans Nouvelle Maison pour une nouvelle vie. Ça va être radical comme changement de vie, là. C'est pour ça qu'on a fait appel au meilleur. Aujourd'hui marque le début d'une nouvelle vie pour Tristan, travailleur social, et Florian, assistant commercial. Locataire à Lyon d'un appartement en rez-de-jardin, ce joli couple rêve d'acquérir une maison avec un vrai jardin dans la Drôme. Pour mener à bien leur projet, ils ont fait appel à Stéphane Plaza. C'est donc à Paris que nos Lyonnais sont venus le rencontrer, remplis d'espoir pour leur nouvelle vie. Comment ça va déjà? Très bien. Très bien. Oui. Super, je suis content d'être là. Vous êtes ensemble depuis combien de temps, là? Alors, on s'est rencontrés il y a 8 ans. Pendant nos études à Grenoble. Ouais. Et après, en fait, on est venu à Lyon terminer nos études. Mmh. Et du coup, après le Covid, on a emménagé dans un appartement, donc celui-ci, l'actuel. Pourquoi vous voulez déménager? On est en rez-de-chaussée, sachant qu'on a un petit jardin. Ouais. Mais l'appartement en rez-de-chaussée, en fait, il est très sombre. Un rez-de-chaussée, ça veut dire que vous avez un peu de vis-à-vis des personnes. Pour bronzer, c'est moins pratique. C'est même pas possible parce que l'appartement est un peu en U. Et en fait, on a du vis-à-vis tout autour de nous. Donc, quand on mange sur la terrasse, qu'on boit des coups avec nos amis, c'est un peu comme si on le faisait limité, avec tous nos voisins. Tout est limité aujourd'hui. Donc, notre jardin, on en a un, effectivement, mais on s'en sert quasiment pas. D'accord. On regarde? Allez. Oui. Alors ici, on est sur notre terrasse et dans notre rez-de-jardin, on a la chance d'avoir ça en ville. Mais le gros souci, c'est qu'il y a pas mal de vis-à-vis, pas trop d'intimité parce qu'on a énormément de voisins. Le bruit monte, hein, enfin les voix. Donc. Ouais, donc dès qu'on est dans notre jardin, on a l'impression de partager tous nos moments avec nos voisins. Donc c'est sûr, c'est pas toujours très agréable. Vous, ça vous convient plus? Non, aujourd'hui, on a envie de vraiment d'espace, d'être tranquille chez nous, de se sentir chez nous, tout simplement. Pas de voisins? En tout cas, pas de vis-à-vis. On a envie vraiment de se sentir chez soi quand on est dans notre jardin, quoi. D'accord. Vous voulez quitter Lyon pour aller où? On aimerait bien se rapprocher de Romans-sur-Isère. Ah, il y avait une sacrée foire à Romans-sur-Isère. Oui. Ah. C'est aussi la campagne tout autour parce qu'on aime bien cette localisation parce que finalement, c'est vraiment pas loin des montagnes et aussi pas très loin de nos proches, de nos amis, du Vercors. C'est pile entre d'où Tristan vient et d'où je viens, donc c'est vraiment central. Tu viens d'où, toi? De l'Isère. D'accord. Et moi, de la Drôme. D'accord. Voilà, c'est vraiment c'est pile au milieu. Et le week-end, en fait, on s'est rendu compte qu'on est souvent chez nos potes, chez notre famille, en train de faire des sorties. D'accord. Et du coup, on en a qu'est-ce que vous appelez des sorties? Vous faites des balades, des quoi, là, en fait? Oui, on aime beaucoup randonner. Faire du vélo. Faire du vélo. D'accord. C'est décidé, plus question pour nos citadins de vivre en ville. Pour leur nouvelle vie à Romans-sur-Isère et jusqu'à 15 km autour, Tristan et Florian recherchent. À ne plus subir le vis-à-vis de leur appartement en rez-de-jardin,
pour une vie au calme, en maison, à se rapprocher de la famille et des amis pour éviter les 100 km à parcourir tous les week-ends pour les rejoindre dans le Vercors, et surtout à profiter de la nature et des randonnées pédestres ou à vélo qu'ils adorent, et en finir avec le bitume lyonnais. On est en location là et on aimerait acheter une maison, un peu fuir la ville de Lyon. Bon, alors déjà, premier achat, ce qu'on appelle primo-accédant. Premier achat où on a besoin de conseils et c'est pour ça qu'on fait appel à toi aujourd'hui. Donc vous allez déjà me montrer où vous habitez. Okay. Alors. Donc là, on a une première pièce, donc qui est notre salon salle à manger. Donc ici, ce qu'on aime, c'est la taille hein, de cette pièce. Ce qu'on aime moins, c'est vraiment la luminosité. C'est joli! C'est bon. Ça. Et encore là, c'est très lumineux. Hein. À partir de 14h, 15h, on est obligé d'allumer la lumière à l'intérieur. Ensuite, on a la cuisine. On manque un peu d'espace. En face, on a la salle de bain, donc qui est toute petite. Donc ensuite, on enchaîne, on a une chambre. On a essayé de rendre ça un petit peu plus lumineux en mettant des miroirs. On a des belles couleurs, on a une belle déco. C'est vous la déco ? Oui, Tristan, oui. Bravo. Ensuite, on a une deuxième chambre. Elle a plusieurs fonctions, donc il y a une chambre d'amis, donc avec un lit, un bureau, et c'est aussi une penderie. Alors, vous avez combien de mètres carrés là où vous êtes ? Vous êtes locataire, j'ai bien compris. C'est ça. Locataire, c'est 65 mètres carrés. 65 mètres carrés. Avec un grand rez-de-jardin quand même, parce qu'il fait 50 mètres carrés. Moi, j'ai plein de plantes, justement, aussi, qui sont dans mon jardin. J'adore les plantes, j'ai plein d'arbres fruitiers en pot. Et c'est une des raisons aussi pourquoi je veux acheter, parce qu'il faut que je les plante en pleine terre. Tu veux acheter pour les plantes. Voilà, c'est aussi. Ça. T'as la main verte, c'est ton métier Non, c'est pas mon métier, mais c'est un peu un passe-temps. Quoi. J'adore quand le soir, quand je rentre du boulot, m'occuper de mes plantes, ou même l'été, on fait des apéros, bah, j'ai juste à aller cueillir mes tomates cerises dans le jardin. Et... Voilà. D'accord. Vous louez combien ? On est à 860 par mois, là. En achat, vous allez avoir sans doute plus à verser par mois. Oui, oui. On sera à peu près à 950. C'est bien, vous avez tout calculé, donc premier achat, mais vous êtes bien organisé dans votre tête. Ah oui, c'est ça. Vous cherchez quoi ? On y va, on décrit. Dans l'idéal, une maison déjà, de minimum 100 mètres carrés. Voilà, sans vis-à-vis. Maison individuelle de préférence. Quand vous dites maison, ça peut être une maison un peu mitoyenne, non ? Non. Non. On aimerait vraiment pas qu'elle soit mitoyenne et sans vis-à-vis. Sans vis-à-vis ? Oui. Ah mais on ne fuit pas la ville pour avoir du vis-à-vis à la campagne. C'est vrai, c'est... Pas de remarque. Avec trois chambres idéalement. Ce qu'on aime bien recevoir. Et après, il nous faudrait aussi une grande pièce de vie. Idéalement plein sud. Oui. Ah oui. Et avec un extérieur pour tous mes arbres. Tu viens carrément avec des arbres. Ah oui, des petits arbres. Ah oui, d'accord. Et en terrain, alors, on aurait quoi ? J'aimerais bien idéalement 500 mètres carrés minimum. Donc nous, on est allergique aux travaux, hein, donc il faut une maison où il n'y ait pas de travaux. Ah, un peu comme moi, vous avez deux mains gauches. Donc voilà, nous, les gros travaux, c'est vraiment pas pour nous. Nous, on est plutôt aussi attirés par des maisons neuves. On a un budget pour ça ? Oui, donc on a un budget de 290 000 euros. Si vraiment on a un coup de cœur, on peut monter jusqu'à 300 000 euros. Très bien. Coup de cœur. Alors après, on a conscience hein, que tous ces critères, ça fait beaucoup. Je pense qu'au point de vue mètre carré, on est peut-être un peu gourmand. Il va falloir trouver un arrangement ou peut-être une concession. C'est pour ça qu'on fait appel à toi. Eh bien, j'ai les personnes qu'il faut. Sandra et Camille, qui connaissent parfaitement Romans-sur-Isère, qui travaillent et qui connaissent aussi le coin. Ils ont accepté de relever le défi déjà. Ça, c'est la première bonne nouvelle parce qu'ils sont motivés pour vous aider. Et éventuellement, bon, si vous êtes bon en vélo ou en randonnée, ils peuvent peut-être vous montrer le petit chemin, la petite randonnée. Et ben avec plaisir. Et j'espère que vous allez trouver le bonheur. En tout cas, je ne doute pas que vous allez avoir des belles choses à visiter. Puis, bon, quelqu'un qui aime les plantes, moi, ma mère était fleuriste, hein, je ne peux pas le laisser dehors. Hein. Non, on m'a toujours dit que j'étais une fleur parmi les fleurs. Hein. Oh, c'est mignon. Je ne suis pas inquiet, mais je vais bien surveiller. Hein. Allez. Pas de bêtises. Hein. Oui, bon, on a hâte. Alors, on y va. Merci Stéphane. Eh bien, c'est parti. Le temps de briefer Camille et Sandra sur la recherche du jour. Une maison plutôt moderne et sans gros travaux de 100 mètres carrés minimum, avec idéalement trois chambres pour recevoir, une grande pièce de vie ensoleillée, un extérieur d'au moins 500 mètres carrés pour accueillir toutes les plantes de Florian et sans vis-à-vis. Et le plus important, au calme et proche de la nature. De quoi faire de belles randonnées en famille ou entre amis. Alors, avec leur budget de 300 000 euros en poche, nos primo-accédants vont-ils pouvoir s'offrir la vie dont ils rêvent dans la Drôme ? Allez, je m'installe, je veux surveiller ça. Des jeunes qui achètent primo-accédants, je surveille, je vérifie tout. Et c'est parti ! Tristan et Florian quittent le Rhône pour la Drôme, à 100 km de leur domicile. C'est le jour J. On quitte la ville pour direction la campagne.
où on espère trouver le bien de nos rêves aujourd'hui. Et comment ne pas trouver le bien de ses rêves dans ce département au charme incontestable, ponctué de paysages verdoyants à couper le souffle et de villages perchés, dont certains ont reçu le prestigieux label « Plus beau village de France ». Un cadre de vie qui devrait ravir nos amoureux lyonnais, dont la recherche se concentre à 15 km autour de Romans-sur-Isère. Un secteur de recherche idéal, situé à moins de 20 km de Valence, cœur dynamique de la Drôme avec ses rues commerçantes et son port de l'Épervière, plus grand port fluvial de France. Et alors les papilles, il ne faut pas oublier que Anne-Sophie Pic est née à Valence, la chef la plus étoilée au monde. 10 étoiles. C'est pour ces raisons et tant d'autres que les locaux ne sont pas peu fiers de leur région. On a un cadre de vie qui est plutôt, pour moi, exceptionnel. Il y a beaucoup de choses à faire, en fait. Et puis surtout, on n'est pas très loin de tout. 2 heures de Paris, du sud aussi, on a la montagne. En 2 heures, 2 heures et demie, vous avez quasiment traversé toute la France. Eh bien, ce n'est pas en train, mais en voiture que Tristan et Florian débarquent dans le secteur pour la première visite du jour. Et plus précisément à Granges-les-Beaumont. Petit village de 1000 habitants situé à seulement 5 km de Romans-sur-Isère. Et malgré la petite taille de Granges-les-Beaumont, la commune brille par son dynamisme puisqu'elle accueille de nombreuses manifestations locales, brocantes, festivals et concerts, sans oublier les randonnées et les circuits vélos qui ne manquent pas. Eh bien, c'est à quelques pas du centre-ville que nos amoureux retrouvent Camille. Bonjour Camille. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez ? Ça va ? Tristan, enchanté. Et Florian, enchanté. Enchanté. Je suis ravie de vous rencontrer, enfin. Également. Nous aussi. Du haut de ses 24 ans, Camille est une vraie passionnée d'immobilier. Et malgré son jeune âge, elle cumule déjà 3 années d'expérience en tant qu'agent indépendant. Son secteur, Romans-sur-Isère et ses alentours. Parfait pour nous. La ville, mais pas du tout le secteur. On n'est jamais venu, hein, je crois. Ouais. Ouais. Après, au niveau de la localisation, c'est à peu près à combien de temps on se trouve de Lyon? On est à 11 minutes de l'A7. Je vais regarder peut-être de combien de temps ça mettrait en temps pour justement nous rendre au boulot, au travail. Et oui, car même s'ils veulent déménager, Tristan et Florian comptent garder leur travail à Lyon. Alors là, je tombe des nues. Ils veulent aller là-bas et ils ne connaissent pas la distance. Ça, c'est pas bien. On se renseigne. Et donc, du coup, combien de temps pour rejoindre Lyon d'ici? 1h10, pour c'est aller parfait. En centre-ville, ouais. Soit plus de 2 heures par jour, aller-retour. Un effort que nos Lyonnais sont prêts à faire pour trouver ici le calme et la verdure qu'ils recherchent. C'est un petit village, hein. Il y a environ 1000 habitants, donc on est entouré de champs. Donc, il y a la nature à proximité. C'est ce qu'on recherche. Il y a la voie verte aussi qui est juste à côté à 3 okay. minutes. Ouais. Il y a plein de balades, c'est super sympa. Vous allez voir, je pense que vous allez vous régaler. Oui, effectivement. Il y a aussi des associations dans le village, d'où une association de vélo d'ailleurs. Ah, d'accord. Voilà, où ils se regroupent tous les dimanches matin pour faire des tours de vélo. Avec ça, ça vous permettra de rencontrer des personnes aussi. Ils partagent la même passion. Exactement. Granges-les-Beaumont, c'est un village qu'on ne connaît pas forcément, mais on s'y sent vraiment bien. Il y a de la verdure, on respire. La localisation est vraiment top. Bon, est-ce qu'on va la visiter, cette maison? Eh bien, oui. Avec plaisir. Allez, je vous invite à aller la découvrir. On te suit. C'est parti. C'est une maison de 1982, de plein pied. Alors, effectivement, c'est une jolie maison, pas tout à fait moderne. On est sur des volets en bois et puis donc une façade, c'est ça, un peu ancienne, quoi. Il y a eu beaucoup de lierre sur la façade, c'est pour ça qu'on voit les petites D'accord. traces noires. C'est pas de la saleté, c'est, oui. c'est juste la nature du coup qui a marqué okay. la maison, quoi. Ouais, effectivement. Un mur de lierre, c'est très beau et c'est un atout en termes d'isolation. Oui, je vous jure, protection de la façade contre la pluie, le soleil, la pollution. Mais cela nécessite aussi de l'entretien parce que sinon, ça peut abîmer le mur. Et frotti-frotta pour tout enlever, hein. Bah, frotti-frotta des murs, c'est pas prévu au programme de Tristan et Florian. On cherche une maison plutôt moderne puisque là, actuellement, on vit dans un appartement qui est assez moderne. Donc, c'est quelque chose qui nous plaît, qui nous correspond aujourd'hui. Avoir l'intérieur de la maison et puis l'extérieur parce qu'on peut avoir une jolie surprise qui nous attend. Comme on dit, l'habit ne fait pas le moine, mais parfois le jardin fait l'acheteur intéressé. Alors, direction les extérieurs de cette maison, que notre couple souhaite sans vis-à-vis et de 500 mètres carrés minimum. Eh bien, ici... 578 mètres carrés de terrain. Ok. Une jolie terrasse. Ah oui. Là, on a une très grande terrasse carrelée. On est plein sud. Avec une piscine, du coup. Voilà, oui. Le petit plus. La petite surprise. effectivement, on va aller ça la voir. Ça vous donne envie d'aller voir.
une belle piscine creusée, voilà, 4 par 2,5, en travertin. C'était pas forcément dans nos critères, mais c'est mais toujours... Mais on prend avec plaisir. Voilà. Hein. Elle est parfaite, pas trop grande, pas trop petite. C'est ça, avec la vue magnifique oui, effectivement. En pleine nature. Ce qui change radicalement de la vue actuelle de notre couple dans leur jardin. Ici, déjà, les dîners barbecue dans le four à pizza vont prendre une autre ampleur. Mais surtout, les ploufs dans la piscine se feront sans regard indélicat du voisinage. Parce qu'à côté, c'est quoi? C'est un champ? Voilà, donc c'est une zone qui n'est pas constructible. D'accord. Okay. Voilà, et qui ne sera jamais. Ok. C'est ce qu'on appelle une zone agricole, une zone A, dans le plan local d'urbanisme, évidemment. Une zone protégée et réglementée pour l'exploitation agricole. Les constructions des particuliers sont donc ni autorisées, ni possibles. Tranquillité à vie. Et ce n'est pas fini. Ce jardin, Camille en est sûre, sera parfait pour Tristan et Florian. Pour les passionnés de vélo qu'ils sont, il y a un petit abri. Très bon point, ça, pour ranger nos vélos. Quelque chose qu'on n'a pas actuellement. Et tout ce qu'il faut pour s'en occuper. Du vélo, l'atelier et la cabane à outils. Ah oui, ça manque pas de rangement ici. Hein. Et pour les écolos dans l'âme qu'ils sont, il y a aussi un récupérateur d'eau de pluie et des poules. C'est un des rêves de Flo, en plus d'avoir des poules. Ah bah voilà. Un rêve. On parle tous les jours. Sympa les conversations pendant le dîner. Mais pour le coup, il y a un sujet plus important, la quarantaine de plantes en pot de Florian. Et oui, parce que pour le moment, à Lyon, c'est plutôt ça. On a aménagé un petit espace potager avec pas mal de plantes en pot. Le problème, c'est qu'on ne peut pas les planter parce qu'on n'a pas assez de place et aussi parce que c'est pas chez nous. Alors, elles vont pouvoir trouver leur liberté dans ce jardin ? Il manque peut-être presque de la place si je veux faire un petit coin verger ou potager. Attendez, vous n'avez pas encore tout vu, puisque derrière la maison, tadam ! Encore un coin, voilà, terrasse. Abrité aussi. Mais abrité, et puis là, vraiment, pour le coup, on est... Et là, voilà, on a la vue directe. Et peut-être un peu plus de place pour pouvoir planter. Et je vois justement que c'est ce que le propriétaire, c'est ça, déjà. Ok. Maintenant que les plantes sont domiciliées, ne reste plus qu'à loger nos amoureux, qui recherchent une maison de 100 mètres carrés minimum, sans gros travaux, avec idéalement 3 chambres ainsi qu'une grande pièce de vie ensoleillée. Allez-y. Ah ouais. L'espace plutôt moderne. On est sur une pièce de vie de 45 mètres carrés, sans la cuisine. Ouais, il y a beaucoup d'espace, c'est top. C'est exactement ce qu'on recherche pour accueillir. On a de quoi mettre une grande table là-bas. Donc on a le coin, voilà, plutôt salle à manger avec le poêle à bois. Le coin plutôt, voilà, chaleureux, salon, avec dans le canapé la vue sur le champ. Avec un accès direct dans le... Direct sur la terrasse, avec la baie vitrée. C'est ça. On exactement. A vraiment besoin de luminosité dans notre nouveau... chez nous, ouais. Donc on c'est est vraiment plein important. Sud, donc, d'accord, voilà. Ensoleillé. C'est ça, okay. Exactement. C'est sûr que niveau luminosité, ça change de leur appartement actuel au rez-de-chaussée. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous plaît, donc c'est une jolie surprise. On est rassurés parce qu'on ne s'attendait pas à quelque chose d'aussi moderne en rentrant dans la maison, notamment avec le poêle et puis même le sol et les couleurs qui sont plutôt neutres et qui nous permettent vraiment de nous projeter. Une meilleure luminosité, de la modernité, critères respectés. Et surtout, une vue incomparable sur l'extérieur. C'est ça qu'on imaginait, hein, vue sur les champs. Dégagée, sans vis-à-vis. Donc c'est top, on s'y sent vraiment bien. C'est sûr que là, c'est vraiment bien. Enfin, j'ai le sentiment qu'en découvrant l'intérieur, ils ont complètement oublié l'extérieur. Et ça, c'est bien parce que la façade, ils étaient comme ci, comme ça. Hein. La beauté de l'âme l'emporte sur la beauté physique. C'est pas de moi, Georges Sand. Et la cuisine de 15 mètres carrés, alors ? On est plutôt beauté de l'âme, physique ou les deux ? Une cuisine plutôt dans son jus, ouais, mais lumineuse. Dans son jus, je suis pas d'accord. Cuisine des années 70, extrêmement à la mode. En tout cas, ça revient à la mode. Tonton Plaza vous dit que le sol est parfait. Le plan de travail est top. Il suffit de changer les poignées. 4 euros une petite poignée, un peu plus moderne. Le tour est joué. Vous avez une cuisine vintage, moderne, à faible coût. Allez, direction maintenant le coin nuit dans lequel nos futurs dromois espèrent trouver 3 chambres. Ici, il y en a déjà 2 de 10 mètres carrés, pratique pour recevoir famille et amis ou bien télétravailler si besoin et éviter le trajet jusqu'à Lyon. Et pour compléter le tableau, une grande chambre parentale de 21 mètres carrés.
Ah oui. Donc un grand dressing de 9 mètres carrés. Ah oui, incroyable. Voilà. Avec là, vraiment beaucoup de rangement. Voilà, il y a du rangement, on peut même en recréer. Il y a même la place pour un canapé, pour accueillir des amis. Oui, ça peut faire aussi une chambre. Voilà, un bureau, mais dressing, je pense que là, on peut se faire plaisir. Oui, 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 effectivement. Vraiment c'est beaucoup de potentiel. C'est une très belle surprise. Ça a été un plus, hein. On n'avait pas demandé ça dans nos critères, mais s'il y a... C'est quelque chose qui nous fait, en tout cas qui me fait très plaisir. Et c'est sur ce petit bonus que se termine cette première visite du jour. On est à Granges-les-Beaumont, sur une maison de plein pied, de 116 mètres carrés habitables. On a aussi 578 mètres carrés de terrain, avec une piscine, les trois chambres, une grande pièce de vie du coup de presque 50 mètres carrés, avec une cuisine ouverte. Alors, avec leurs 300 000 euros en poche, nos primo-accédants vont-ils pouvoir quitter leur appartement en rez-de-chaussée à Lyon pour cette belle maison en pleine campagne dans leur secteur de recherche? À combien vous estimez ce bien? Alors moi, je dirais avec cette piscine et avec ce grand espace à l'extérieur, je dirais aux alentours de 290 000 euros. Alors que moi, je dirais plutôt autour de 275 000 euros. Donc cette maison, elle est au prix de... 290 000 euros. D'accord. Voilà. Ok. Bon, eh ben, c'est qu'est-ce que budget. Vous en pensez ouais. On ne s'attendait pas à avoir vraiment une piscine à ce prix-là. Une piscine avec autant de mètres carrés en surface. Plus de surface, plus l'extérieur. Ouais. Enfin, moi, je suis agréablement surpris, je dois te le dire. Bah, c'est super. Je suis content que ça vous ait plu. Ouais. Merci. Eh ben, c'est pile dans le prix. Est-ce que la façade va être bien pour eux? Je ne sais pas. Pour moi, il n'y a rien d'autre qui peut clocher. Et pour montrer que rien d'autre ne cloche, cher Stéphane, Camille, qui a bien cerné notre couple, sonne l'heure de la détente. Je sais que vous aimez bien le vélo. On va aller du coup faire une balade en vélo au bord de l'Isère, ensemble. Vous aimez bien les belles vues, la nature. Donc je pense que vous allez être servis. Eh ben super, génial. On a hâte. Allez, sans plus attendre, direction la voie verte à 2 km de la maison. Avec ses 32 km de sentiers, elle permet d'apprécier les plus beaux paysages sauvages des berges de l'Isère. Et c'est parti! Alors cette vue, on en dit quoi? C'est magnifique, avec le pont derrière, la vue sur l'Isère, on a vraiment un paysage magnifique. C'est sympa, hein? Allez! Oh, j'ai la mauvaise vitesse! Les gars, soyez sympathiques, travaillez en équipe, une petite poussette comme ça, comme faisait mon grand-père pour monter les côtes, et voilà! Tu nous donnes encore plus envie de revenir vivre par là, quoi. C'est génial! Par contre, si on achète ici, hein, je te préviens, on fait ça tous les jours. Hein. Ça me va. Faudra venir avec nous, Camille. Bah oui, avec plaisir. L'invitation est lancée. Allez, on pose le casque, on range les vélos et c'est parti pour la deuxième visite du jour, à 15 km de là. Bienvenue à Romans-sur-Isère. Ville à taille humaine de 33 000 habitants, Romans, comme on l'appelle, c'est la capitale historique de la chaussure de luxe. Elle dispose d'un riche patrimoine architectural, culturel, le tout sur la route mythique du Vercors. Ce qui fait d'elle le premier choix de nos futurs acquéreurs. Et c'est d'ailleurs dans cette ville qu'officie Sandra. Originaire de Romans-sur-Isère, Sandra aime sa région plus que tout. Avec ses 20 ans d'expérience, elle est aujourd'hui à la tête d'une équipe de 50 personnes. Un réseau important qui lui permet de trouver le meilleur pour ses clients. Donc bienvenue. Merci. Dans mon très cher roman, une belle ville en tout cas. Là, nous sommes sur la partie des remparts. Donc, vous allez découvrir des petits trésors au fur et à mesure de vos promenades. Vous avez aussi les vues sur le Vercors qui sont impressionnantes. Vous avez la ville à côté. Vous êtes à la limite de la campagne. Gare TGV, 10 minutes. À côté des grands axes, si vous avez besoin de vous déplacer, même pour Lyon, enfin voilà, si jamais il y a besoin, on est vraiment bien situé. Vraiment surpris parce que je ne m'attendais pas à être aussi proche de la sortie de roman, mais dans roman. Je ne voyais pas du tout de quartier comme ça résidentiel. Aussi joli, quoi. Oui. On sent vraiment qu'on est au calme ici, on a la tranquillité qu'on n'avait pas forcément à Lyon. Ça va nous changer la vie, littéralement. Hein. Alors, ce deuxième bien correspondra-t-il à toutes leurs attentes? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc voilà la maison. Okay. Cette maison est une maison de 2019, donc récente, hein, comme vous le voyez, qui a été donc conçue avec les caractéristiques de la période, donc RT 2012. Vous avez les garanties dommages ouvrages décennales, donc qui vous permettent une tranquillité d'esprit jusqu'en 2029.
Le RT 2012 consiste à limiter la consommation d'énergie des constructions nouvelles. L'objectif étant de diminuer les factures quotidiennes, évidemment, et en ce moment, on en a besoin. Alors, premières impressions sur la maison, les garçons ? C'est une maison plutôt moderne, comme tu le disais. C'est positif pour nous. Très jolie façade. Maintenant, il faut voir l'intérieur, chose que ça sent plus ton côté. Voilà. Je suis plus exigeant pour le côté intérieur, donc j'ai hâte de visiter. Pour rappel, à l'intérieur, Tristan et Florian recherchent une maison de 100 mètres carrés minimum, sans gros travaux, avec 3 chambres ainsi qu'une grande pièce de vie ensoleillée, pour oublier leur appartement sombre en rez-de-chaussée. Je vous laisse rentrer, oui. Découvrir la maison. Une grande pièce de vie. Vous avez 33 mètres carrés dans cet espace. D'accord. Avec la cuisine ouverte. Ah oui, avec un énorme plan de travail. L'îlot central, ouais. Dont tu rêvais. Ouais. Tout reste équipé. Oui. Et puis c'est plutôt lumineux, hein. Franchement, ça nous change vraiment. Dans notre salon, on avait l'habitude de vivre la lumière allumée. Là, ouais. On peut vraiment faire tout sans lumière, enfin. Oui. Et pour garder tous les avantages de la lumière et de la chaleur, tout a été pensé dans cette maison. Là, on est sur une maison qui est construite en briques rouges. D'accord. Avec de l'isolant, donc vous avez watts de cellulose en haut. Et vous avez de la laine de verre, donc au niveau des murs. Pompe à chaleur, clim réversible à eau, panneau solaire. Ce qui vous permet d'être en A, en note énergétique quand même. Ah oui. Ce qui est hyper rare. Oui. Il est rentable d'investir dans des panneaux solaires pour produire de l'électricité, à condition toutefois d'opter pour la bonne installation et de répondre à certains critères. Inclinaison de la toiture, forme des tuiles, taux d'ensoleillement, trop de zones ombragées et c'est pas bon. Une chose est sûre, aucune ombre au tableau concernant la facture. Vous êtes à 410 euros par an, ah ouais. Pour chauffer l'intégralité de la maison. Ah oui, ça fait vraiment de sacrées économies. Et en sachant que mon côté écolo et son côté économe, je pense qu'on peut même arriver réduire la facture. Oui, ça nous convient tous les deux. Je vois que Flo, il est aux anges, hein, puisque il est très sensible à ces questions-là. Je suis enchanté, en effet, parce que c'était vraiment même pas dans nos critères. Si cette maison présente des caractéristiques qui vont au-delà de leurs critères, qu'en est-il de la grande pièce à vivre désirée ? Nous, on aime bien recevoir. Oui. Là, je pense que pour mettre une table à manger, disons qu'il va falloir revoir les... Peut-être revoir un petit peu l'aménagement. Ou alors, il y a peut-être une deuxième solution. Sandra ? Vous avez 33 mètres carrés dans cet espace, d'accord. Plus la possibilité d'ouvrir éventuellement si vous voulez encore un plus grand salon. D'accord. Vous avez plein de possibilités ici, hein, même éventuellement vous imaginez une véranda par la suite. Enfin, vous avez vraiment beaucoup de possibilités, tout en gardant le confort de la construction moderne. C'est vrai. Et pour les aider à mieux visualiser la première possibilité d'agrandissement, Sandra emmène notre couple dans l'espace nuit avec cette chambre de 10 mètres carrés. Là, vous êtes dans la chambre qui est adjacente au salon. D'accord. C'est la fameuse chambre que vous voyez, si jamais vous voulez casser, il n'y a pas de mur porteur. Ça peut être évolutif en fonction vraiment de... Oui, comment après l'usage, en fonction de comment on s'y sent, effectivement. Non, c'est un bel espace aussi, pareil, dans la continuité du reste. Hein, Donc ça vous plaît ? Oui. C'est validé ? Oui. Un oui en cœur. Et pourtant, Tristan et Florian recherchaient une maison sans travaux, non ? Et ça amène à réfléchir quand même, à peut-être reposer et voir si ça peut nous convenir. Si jamais le coup de cœur pour cette maison les poussait à faire des travaux et perdre une chambre au profit d'un salon plus grand, qu'à cela ne tienne, ils pourront compter sur deux autres chambres, la première de 10 mètres carrés et la seconde de 14 mètres carrés. C'est une chambre qui est très... Très fonctionnelle, elle est ni trop grande ni trop petite. En plus, il y a un placard, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est lumineux. Après, un peu triste, peut-être je repeindrai un mur bleu, oui. Quelque chose comme ça, pour nous rappeler justement... Tous nos logements qu'on a eu pour le moment qui avaient eu un mur bleu. Oui, effectivement. Incroyable, Tristan et Florian ne voulaient pas de travaux et là ils veulent bien abattre une cloison, repeindre la chambre en bleu. Mais qu'est-ce qui se passe ? Un coup de cœur ? Ah, peut-être Stéphane. En tout cas, nos Lyonnais se projettent à fond. Ici, vraiment, on revit parce que là, on voit vraiment que c'est lumineux, il y a des fenêtres dans chacune des pièces. Ça nous change vraiment de ce qu'on vit actuellement, d'être obligé d'allumer la lumière même quand il fait jour. Là, on aurait vraiment ce changement-là. Et surtout, tu pourrais remettre des plantes à l'intérieur. Et en parlant des plantes de Florian, il est temps d'aller découvrir le jardin. Pour accueillir ses 42 pensionnaires feuillus, le couple espère un extérieur sans vis-à-vis et d'une surface minimum de 500 mètres carrés.
la terrasse avec un salon de jardin, avec 8 places, avec la possibilité de faire de bons barbecues. Ouais. Ce que vous avez peut-être moins l'habitude de faire en ce moment, non, peut-être, à Lyon, là où vous êtes. Bah, c'est plus compliqué, effectivement. Pas des barbecues, non. On a une terrasse, mais c'est pas des barbecues qu'on peut faire, sinon c'est tous les immeubles qui en profitent aussi avec nous. Voilà, ouais. Donc là, l'avantage, c'est ça, c'est que ici, vous pouvez être tranquille, profiter du calme, mais en même temps, vous pouvez faire la fête et personne ne vient toutes les deux minutes. Ah, c'est une belle terrasse. L'avantage aussi, c'est que vous avez de la cuisine, vous donnez sur la baie et vous pouvez servir éventuellement directement à l'extérieur. Justement, on adore les étés, inviter des amis, faire des barbecues, recevoir. On avait une petite table de 4 personnes, donc il fallait choisir les personnes qu'on invitait. Là, on va pouvoir inviter du monde. Oui. Et ils vont même pouvoir inviter tous leurs copains à faire une pool party dans cet espace de 50 mètres carrés. Je m'imagine bien avec la piscine. On va juste peut-être qu'on mette quelques plantes là sur le mur parce que pour le moment il fait un peu triste. N'oublions pas que notre beau Florian a la main verte. Et pour ce naturophile, un extérieur sans plantes ce n'est pas possible. Lui, il veut de la plante, il veut de la serre tropicale, sans oublier peut-être le potager. Sandra, elle, ne l'a pas oublié. Et pour sa direction, l'autre côté du jardin, pour le découvrir. Là, c'est vraiment idéal hein, pour toutes tes plantes qui attendent d'être plantées. Franchement, c'est sympa. Notre couple pourrait peut-être même faire du compost. Le rêve de tout citadin qui quitte la ville. Pas le mien, hein, je vous le dis tout de suite. Bah alors Stéphane, on n'a pas la main verte ? Le compost, c'est quand même un super engrais naturel. Et ce n'est pas nos futurs acquéreurs qui diront le contraire. Oui. Une chose est sûre, Tristan et Florian ont donc de quoi s'éclater avec cet extérieur de 416 mètres carrés, qui répond aussi à un de leurs critères principaux. Aucun vis-à-vis, là, quand t'es dans ton jardin. C'est ça, c'est un peu le paradis, hein, ça. Ouais. Plein c'est sud, agréable. Soleil, l'été. Ça fait du bien de ne pas sentir le regard du voisin du dessus, hein? On peut sortir dans notre jardin librement, on peut faire du bruit. C'est vraiment ce qu'on est venu rechercher hein, aujourd'hui, en voulant changer de vie. Donc très impatient de pouvoir le vivre. À voir le sourire sur leur visage, on sent que Sandra a vraiment visé juste avec sa maison de Romans-sur-Isère. Donc ce que nous venons de voir, c'est une maison située donc à Romans-sur-Isère, c'était votre recherche, dans le quartier des Ordres. Une maison de 2019 qui dispose donc de tous les avantages écologiques et éco-responsables qu'ils soient. La maison fait au total 82 mètres carrés, dispose de 3 chambres, possibilité d'extension en véranda si vous avez besoin d'encore plus de surface. Alors, Tristan et Florian pourront-ils quitter leur appartement en rez-de-jardin à Lyon ? Pour cette maison dans leur ville coup de cœur avec leur budget de 300 000 euros ? À combien vous estimeriez cette maison ? Moi, je partirais plutôt sur un montant aux alentours de 290 000 euros. Mm-hmm. Par rapport au marché, pour moi, on s'approche plutôt des 295 peut-être. Mm-hmm. La maison, elle est au prix de 292 000 euros. Oh, okay, bon. On est plutôt bon. Donc vous avez vu juste. Ok. Qu'en pensez-vous ? C'est vraiment dans notre budget, mais avec beaucoup de plus, comme par exemple les panneaux solaires, tout ce qui est la pompe à chaleur qu'on n'avait pas forcément imaginé. Mais plutôt avec un jardin, c'est ça. Bon, plutôt dans la tranche petite, mais avec ce jardin, donc c'est vraiment une jolie surprise. Ouais, ça fait du bon travail. Bon, bah, merci beaucoup. Budget respecté dans la ville où ils voulaient, sans vis-à-vis. N'oubliez pas. C'est vrai que pour eux, ils disent peut-être la pièce de vie est un peu petite. Moi, je trouve pas. Ah bah oui, mais ils sont en manque d'espace, nos citadins. Heureusement, dans les environs de Romans-sur-Isère, ce n'est pas ce qui manque. À côté, à proximité, vous avez plein de sentiers de randonnée. Dans les coteaux de Mours, par exemple, vous avez l'étang de Chalère, vous avez des endroits autour des étangs, des lacs, de belles randonnées à faire. Vous pouvez bivouaquer aussi au niveau de Pont-en-Royan, avec des grands secteurs de sentiers pour direction du Vercors. Tout autour, même là, vous prenez votre vélo le matin, vous vous déplacez, vous avez plein de balades du Vercors. Enfin voilà, je pense que c'est le cadre un peu idéal. C'est ça. Tout en étant à proximité des axes routiers pour les transports, que ça ne devienne pas un inconvénient non plus. Effectivement, ça répond à notre demande en tout cas. Ça y est, le changement de vie se concrétise hein, après cette visite. On est excités de voir la suite. On a hâte de débuter cette nouvelle vie. Après leurs deux premières visites, ainsi que cette échappée belle en vélo, Tristan et Florian sont plus que jamais convaincus que leur nouvelle vie commencera ici. Mais ce n'est pas fini. Une troisième visite les attend. Et pour ça, nos acheteurs du jour qui ont rejoint les deux agents, Sandra et Camille, vont devoir faire un choix parmi les deux biens mystères. Le bien mystère, c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. C'est ça l'imprévu, c'est ça peut-être qui est excitant. Choisissez bien, on a deux bons agents, deux bons biens mystères. Chacun des agents va maintenant présenter son bien mystère, en photo seulement. Nos Lyonnais devront alors faire un choix parmi les deux biens présentés et donc qu'une seule visite.
Donc moi, je vous propose une maison avec un cadre de vie juste exceptionnel. Ok. Ouais. Jolie façade, plutôt moderne. Très jolie maison. À la campagne. Oui. Très bel espace. C'est ça. Ah, très, très grand. Plutôt pas mal. Alors, je vous propose un bien, donc avec une surface beaucoup plus grande que ce que vous souhaitez. D'accord. Et aussi avec une surprise en plus. D'accord. Voilà, une surprise. Ok, donc là, de prime abord, elle nous plaît un peu moins hein, sur l'extérieur. Par contre, on adore les surprises. Et je me dis surtout, si tu nous présentes ce bien-là en sachant nos critères, je me dis qu'il y a forcément quelque chose qui peut nous plaire à l'intérieur. Donc, donc ça attise notre curiosité. Ouais. Alors, par quel bien mystère Tristan et Florian vont-ils se laisser tenter ? Celui de Sandra avec son bel espace de vie ? Ou bien celui de Camille qui promet de belles surprises ? Ta maison mystère, Sandra, vraiment, pour moi, elle est idéale parce qu'on peut voir qu'il y a pas mal d'espace extérieur. Après, l'autre, c'est... Moi, ce qui me plaît, hein, c'est qu'elle soit plus grande que ce qu'on est demandé. En tout cas, moi, j'ai envie de le découvrir. Oui, je suis aussi curieux, donc allez, ça sera le tien, Camille. Super. Désolée, Sandra. Désolée, Sandra. C'est pas grave. Et pour se rendre au bien mystère de Camille, cap sur Bourg-de-Péage, une commune limitrophe de Romans-sur-Isère à seulement 5 petites minutes en voiture. Ville de 10 000 habitants, Bourg-de-Péage tire son nom des droits qui étaient perçus sur les marchandises à l'époque, à l'entrée du pont de la ville. Et oui, ici on peut se balader tranquillement dans le centre, déposer ou emprunter un livre, ou aller au musée de la Pogne, une célèbre brioche locale en forme de couronne. Mais le plus gros avantage de Bourg-de-Péage, c'est que la sœur de Florian y habite. Sympa, non ? Le fait que ce soit dans la ville où ma sœur habite, ça sera pratique. On pourra passer se voir plus souvent. Parce que c'est vrai que là, comme on est à distance, c'est plus compliqué pour se voir. Là, on pourra en profiter, on pourra se voir la semaine, le week-end, donc ça sera bien mieux. Reste à savoir si le bien mystère déniché par Camille leur conviendra. Pour ça, rendez-vous à 2 km du centre-ville, dans un secteur calme qui devrait leur plaire. Prêt pour la visite ? Donc voilà la maison. Pour moi, les maisons avec une entrée comme ça par l'extérieur, eh ben, pour moi, ça fait un peu vieillot. Donc, vieille maison. On était plus sur du récent, mais... Voilà, mais elle fait quand même entretenue. C'est une jolie façade. Oui. J'ai l'impression d'avoir déjà vu cette scène. Le premier bien, ils me refont le coup de la façade. Laissez-vous tenter. Tentation, bien mystère. Et pour se laisser tenter, direction le jardin. Pour rappel, Tristan et Florian espèrent une surface minimum de 500 mètres carrés, sans vis-à-vis. Vous avez donc une surface qui fait 650 mètres carrés et puis entourée de haies. Avec un petit olivier, là. Et si ça, ce n'était que la première partie du jardin, la suite, derrière la haie, devrait faire un heureux. C'est vraiment immense, là. Vraiment, j'aurais la place de mettre tous mes arbres fruitiers et même qu'on en achète plus. Là, vous pouvez vous faire plaisir. Oui, hein, même on peut imaginer un peu plus coin, tranquille, oui, ça, avec des transats. Ouais, potager là-bas, au calme, comme on souhaitait, quoi. Exactement. Ouais. Et on dit bye bye le vis-à-vis lyonnais et les barbecues avec les voisins. Avec ce grand jardin de 615 mètres carrés, au calme, Tristan et Florian se projettent très facilement. Eh bien, la preuve, encore une fois, ils ne se sont pas arrêtés à la façade. Et là, ils sont emballés par le potentiel de ce jardin magnifique. Fleurs, arbres, tout peut être planté. Plantons. Un jardin qui fait donc l'unanimité. Alors, quelles surprises se cachent à l'intérieur de ce bien mystère ? Répondra-t-il aux 100 mètres carrés sans gros travaux demandés par nos futurs acheteurs ? Avec 3 chambres et une grande pièce. C'est immense. Ah oui, avec une super cuisine. La cuisine est ouverte avec un bel îlot. Ah ouais, elle est vraiment immense. Il y a bien d'être faite, non ? La cuisine ? 2013. Tout reste en place. Il y a quoi qui reste ? Il y a le four. Tout, le four, là, la plaque, la hotte. Et là, on a sur un frigo intégré dans la cuisine. D'accord. Okay. Cuisine équipée. Je rappelle, on signe une promesse ou un compromis. On marque chaque élément un par un. Et forcément, on va gagner de l'argent. On va avoir des frais de notaire un peu en moins. On gagne 500 euros peut-être. Là, on est vraiment sur des prestations vraiment de haut de gamme. Ah ouais, non, cette cuisine, elle est...
Elle est vraiment super. Et elle n'a pas révélé tous ses atouts, puisqu'elle permet aussi d'accéder à une arrière-cuisine de presque 3 mètres carrés. Ouais, il y a de quoi ranger. Hein. Ça ajoute vraiment encore plus de superficie. Ça permet de cacher tout ce qu'il y a caché. Ah ouais, c'est top. C'est top et c'est pas fini, puisque cette cuisine bénéficie également d'un accès à une grande terrasse carrelée orientée ouest et le plus important, sans vis-à-vis. On voit vraiment que la superficie est immense. Ça continue dans les bonnes surprises. Hein. Exactement. C'est un sacré espace extérieur. Voilà. Et sacré espace intérieur, puisque nos Lyonnais pourraient ici profiter d'une pièce de vie de 58 mètres carrés, cuisine incluse. C'est presque autant que notre appartement actuel. Je pense que là, ouais, c'est quand même, ouais. Au niveau de la surface, ouais. Vous pouvez vous projeter facilement. On ne se sent pas enfermé. Donc là aussi, le coin, voilà. C'est ça. Une salle à manger. Effectivement, encore un espace bien distinct. Très spacieux. Il n'y a même pas besoin de peinture, là, dans cet espace. Non, allez, honnêtement, là, il n'y a que à poser vos valises et vos bagages. C'est ce qu'on recherchait, donc c'est top. Eh bien, c'est avec le sourire et sans encombre que se poursuit la visite du bien mystère. Pour ça, direction l'espace nuit au même étage, avec une première chambre de 10 mètres carrés. C'est vrai que celle-ci, elle peut faire plus office de chambre, voilà, chambre d'amis, bureau ouais. peut-être. Ouais. Et une deuxième chambre plus grande et sans travaux. Ah oui. On est sur combien de mètres carrés, là ? 14 mètres carrés, la chambre. Et okay. on a la vue sur la verdure directement, sans aucun vis-à-vis. Donc, dégagée. C'est vrai que dans cette pièce, on s'y sent bien. Elle est spacieuse, elle est même grande hein, pour une chambre. Ouais. Les couleurs sont plutôt ouais. simples, claires, donc c'est vraiment plutôt que du positif sur cette pièce. Là, la chambre actuelle, on a une chambre qui est beaucoup plus petite. Donc d'avoir plus de superficie, c'est quelque chose qui nous convient. Et puis Tristan, il fait 1m80, donc il faut quand même qu'on puisse mettre vraiment notre grand lit, sinon on n'arrivera pas non plus à s'y projeter. Ouais. Les amoureux vibrent à l'unisson pour l'espace nuit. Et pour éviter le couac, il ne faudrait pas faire l'impasse sur la troisième chambre espérée par le couple. Moi, j'ai encore mieux. Ah, voilà. Plus qu'une troisième c'est chambre. À dire. Vous allez voir. Ah, c'est le moment de la surprise. Allons-y. Ah, il y a un accès ça en descend. Bas. Incroyable. Ah, qu'est-ce que c'est ? Là, on a un studio de 20 mètres carrés. Ok. Avec l'accès du coup indépendant à l'extérieur. J'imagine vraiment une grande table ici, avec peut-être un coin un peu plus chaleureux, cocooning par là. Pourquoi pas un canapé, quelque chose dans lequel on peut se détendre. Je pense surtout dans les périodes de festival. Je vois vraiment une salle de réception, d'accueil. Ah, bah on s'y projette malgré les travaux maintenant. Le potentiel de cette pièce fait son petit effet. C'est dans son jus, mais... Il faut faire la peinture, le sol et faire ce que vous souhaitez. Le manque d'espace nous pousse à optimiser les surfaces vacantes. Combles, garages, appentis, parfois même les caves. À vous de respecter les règles pendant les travaux afin d'être dans la légalité. Donc pour cette pièce de 20 mètres carrés, Tristan et Florian, on n'oublie pas de faire une déclaration de travaux auprès de la mairie. Et vous n'avez pas tout vu du coup. Encore des surprises. Encore des surprises. À visiter, oui. Une surface de 60 mètres carrés, située elle aussi au rez-de-chaussée de la maison. Là, il n'y a qu'une chose à dire. C'est immense. Ah oui. Donc il y a encore un bel espace ici. Voilà. Apparemment, les anciens propriétaires étaient eux aussi fans de vélo, puisque les rangements sont déjà là. Et il y a même un atelier pour les outils de jardin de Florian et les futures réparations faites au vélo après avoir dévalé les pentes des montagnes environnantes. C'est au-delà de nos espérances, hein, c'est presque un coup de cœur. Faut qu'on y réfléchisse, parce que qu'on pèse le pour, le contre. Point positif, ils sont dans la même ville que la sœur de Florian, à côté de Romans-sur-Isère, grand jardin, plus grande pièce de vie, studio indépendant. Bon bah pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Attention aux travaux à faire quand même un peu. Alors, nos Lyonnais auront-ils les moyens de quitter leur appartement à Lyon pour ce grand bien mystère de 113 mètres carrés avec son jardin de 615 mètres carrés, idéalement situé en pleine nature iséroise avec leur budget de 300 000 euros ? À combien estimez-vous ce bien ? Moi, je dirais aux alentours peut-être des 310 000 euros, peut-être même 320 000 avec toute la superficie qu'il y a, la localisation, on est à bourg de péage. À peu près plutôt. Pareil,
aux alentours de 300 000, 305 000 euros. Alors, ce bien, je vous le propose alors, à 315 000 euros et je peux, pourquoi pas, le rentrer dans votre budget coup de cœur. D'accord. Voilà. OK. Je vous laisse voir ensemble, poser le pour et le contre et puis on se revoit tout à l'heure pour en parler. Ouais. Okay. OK, ça marche. Et ben, merci pour la visite. À tout à l'heure. Merci. Bonne réflexion. Toi, il remplit tous les critères. Je trouve que la superficie est top, même si c'est pas une maison qui est moderne par l'extérieur, je trouve qu'elle est assez bien rénovée. Après, il y a plus de questions de budget. Voilà. Donc, ça se réfléchit. Après d'intenses réflexions, il est temps pour Tristan et Florian de retrouver nos deux agents, Sandra et Camille, afin de faire le point sur cette journée de visite dans la Drôme. Bon, merci en tout cas pour la journée, hein. C'était intense. Vous avez su répondre à notre demande. On vous voit content, on voit des étoiles dans vos yeux, ouais. En fait. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé des biens? On a hâte de savoir. Camille, concernant ton bien qui se trouvait à Granges-les-Beaubons, donc on a été surpris par le secteur. On a vraiment apprécié, le quartier était très tranquille. La maison, on a été scotché par la taille du terrain. Après, l'intérieur, avec vraiment cette grande pièce de vie, et puis les trois chambres, on a vraiment été agréablement surpris. Intérieur, et aussi, il y avait une très jolie vue. Hein. Très bien. Pour le bien de Sandra, donc, qui se trouve à Romans-sur-Isère, ce qu'on a beaucoup aimé, c'est que c'était une maison neuve, sans travaux. C'est-à-dire qu'on pouvait vraiment arriver en posant nos valises. Avec la surprise qui est les panneaux solaires, voilà, c'est un plus quand même. Du coup, Camille, ton bien mystère, oui. Qui se trouvait à Bourg-de-Péage. Une nouvelle fois, c'était un secteur qu'on connaissait pas forcément, qu'on avait, disons, pas en tête. On n'imaginait pas du tout pouvoir visiter ce genre de maison avec ces mètres carrés-là, que ce soit au niveau du jardin ou même de l'intérieur. Donc, c'est vraiment le gros point positif. Trois biens intéressants. À mon avis, il y a quelque chose à faire. Là, ils vont changer de vie. En tout cas, j'espère. Premier, deuxième ou troisième? Premier, deuxième. Moi, je dirais deuxième. Alors, parmi ces trois biens au fort potentiel, y a-t-il la nouvelle maison de la nouvelle vie du couple? Tristan et Florian ont-ils eu un coup de cœur? Encore mieux, vont-ils faire une offre d'achat? Parmi les trois, il y en a vraiment une. Il y a une maison qui sort du lot pour nous, dans laquelle on se sent bien, en tout cas dans laquelle on se voit aujourd'hui vivre. C'est plutôt la maison qui se trouve à Romans-sur-Isère, donc proposée par Sandra. Qui nous ressemble. C'est une très bonne nouvelle. Et ensuite, concrètement, si je peux me permettre. Là, aujourd'hui, on a besoin de voir ce que ça pourrait donner avec une pièce de vie qui est un peu plus grande. Si jamais on arrive à avoir une projection qui nous convient, on pourrait envisager de faire une offre pour vivre dans cette maison. Donc, on se retrouve chez le notaire prochainement. Eh bien, écoute, on croise les doigts. Et à votre changement de vie. Merci encore, hein, pour tout. Quelques jours plus tard, et après une contre-visite, nos amoureux ont été refroidis par les travaux d'agrandissement du salon. Alors, malgré toutes les qualités de la maison, ils ont décidé de ne pas se positionner. Sandra et Camille continuent donc leurs recherches pour trouver dans la Drôme la nouvelle maison de leur nouvelle vie.